Bonsoir à tous les amis, ça y est, on a le pénis à la main, on a les tétons tout durs les amis. On est sur Mass Effect Andromeda, c'est Valmore 333. Je me suis juste les amis, j'ai juste allumé le jeu pour faire les réglages des options. Normalement il n'y a plus qu'à, c'est parti. Oh là 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 là, oh là 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 là, il y a du frostbite, il y a du frostbite les amis. Oh, ces musiques. Ça y est, j'en ai déjà des frissons partout, les amis. On va tester ça. Alors déjà, je tiens à vous signaler, les amis, que le jeu démarre avec une image plutôt négative, puisque dans le menu, il m'affichait depuis tout à l'heure qu'il fallait passer à la caisse pour obtenir un Krogan à jouer en multijoueur. Donc déjà, ça part mal, mais bon... On va se calmer. Oh là 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 là, on sent bien là qu'on est sur du frostbite. Hein. Là, c'est quand même plus la même chose. Ben, je sais pas ce que les gens lui trouvaient à Sarah Ryder, puisque moi je trouve qu'elle est tout à fait sympathique. Et lui, ben, il fait un peu personnage. Scott Ryder fait un peu personnage lambda de n'importe quel jeu en fait. Alors. On va se trouver un petit visage de qualité. Oh là là. Il y a des têtes tout à fait singulières. Mais non! Mais pourquoi il me dit ça? Enfin! En plus, je suis en ligne. Ah là là, les amis. Hein. Là, ça y est, ils veulent que j'aie tout de suite une mauvaise image. Hein. Eh ben, on va prendre le monsieur bourru, là. Hop. Waouh, la classe! Et tous les petites transitions. Alors, comment on personnalise, par contre? Ah oui, d'accord, oui, c'est là-haut. C'est vrai. C'est vrai, j'ai regardé pas mal de trailers, les amis, j'ai pas regardé de vidéos de gameplay pour ne pas me spoiler. Et je n'utiliserai pas de musique de Andromeda comme musique d'intro, j'utiliserai des musiques des anciens Mass Effect. Parce que je n'ai pas voulu non plus les écouter, je voulais pas me spoiler. Parce que même les musiques, c'est du spoil pour moi. On va mettre 3 ans à faire notre personnage, les amis, hein, vous me connaissez. La musique est très sympathique, on pourrait presque s'endormir dessus. On va gonfler un peu tout ça là. Quoique ça le rend un peu trop carré le monsieur. On va laisser sur 10. Ça me paraît bien. Un menton. Un menton... Ça me paraît bien, ça. Ouais, c'est bien, c'est bien. Accentuation du menton. À peu près là. Largeur du menton. Là. Largeur des pommettes. Oh là là! Monsieur Carré! On va lui faire un petit visage fin. On va essayer de le faire ressembler le plus possible à moi, hein, mais bon, c'est pas évident, hein, vu les têtes des mecs très typiques. Quelque chose de typique! Ça me paraît bien. Profondeur des yeux. Ça me paraît bien comme ça. Par contre, ce regard, putain, on dirait qu'il va m'assassiner. C'est quoi? Ah, d'accord, c'est...
Où est-ce qu'il se situe sur le visage, les yeux? Au niveau du nez. À peu près là? Ouais? Ouais? Épaisseur des lèvres. Hauteur de la bouche. Accentuation. Surprenant d'ailleurs qu'on puisse faire de la modélisation comme ça avec Frostbite. Je pensais pas qu'ils arriveraient à quelque chose de convaincant. Et finalement... On va la laisser à 10. Et le tarin pour terminer. Alors, largeur du tarin. Taille du nez. C'est dommage, on peut pas enlever l'arête qu'il y a sur le dessus, là, parce que on dirait un peu qu'il s'est cassé le nez, le monsieur, là. Hein. Largeur. C'est pas mal, comme ça. Longueur du nez. Eh ben moi ça me plaît bien comme ça. Hop. Il y avait pigmentation de la peau, j'ai pas fait. C'est vrai que j'ai pas fait. J'ai pas fait pigmentation de la peau. Hop. D'accord, c'est bien fait. Comme ça, ça me paraît bien. N'abusons pas. Bah oui. Oui, oui, oui. Alors, les coiffures. Les coiffures. Oh là 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 là! Là, c'est James Bond, là! Cette coiffure pourrait ressembler un peu à la mienne, mais c'est des cheveux un poil longs quand même. Déjà, commençons par mettre la bonne couleur. Ça sera déjà pas mal. La pilosité, on va s'en occuper juste après. Parce que là, il y a du téton, là. Alors, ça donne quoi, cette fameuse coiffure? Ça fait bizarre avec la tête, hein. Je pense que je vais opter pour la coiffure de Pierce Brosnan. Je trouve qu'elle est très classe. Je sais pas vous, les amis, mais moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette coiffure. Alors, la barbiche... Il y a du mal rasé. Il peut pas y avoir du mal rasé qui se voit un peu moins que ça. C'est dommage, on peut pas changer la couleur. Ah si, ça la change. C'est juste que c'est plus foncé. Ça me paraît bien comme ça. On a fini ici. Ah non, puis ouais, si, pilosité, c'est bon. Couleur des yeux. Oh, c'est joli le système. J'aime beaucoup le système de petits trous là. Très sympa.
Bah, le contour externe... faut aller chercher dans le... Voilà, ici à peu près. Voilà, à peu près là. Et puis contour intérieur... Il faut que je trouve un marron qui corresponde. Les yeux sont très jolis. Ça fait marrant, ça. Ouais. Bah, on va pas les contredire, hein, les amis. Si c'est du marron, c'est du marron. Moi, ça me va. Ça ressemble plus ou moins à mes yeux. Emballé, c'est pesé. J'avais pas fini, je crois. On peut lui mettre un petit peu de maquillage, dis donc. Oh, si c'est pas beau, ça. Remarque, c'est le futur, hein. Dans le futur, les hommes, ils se mettront peut-être du fard à paupières. Hein. Qui sait. Bon, de toute évidence, il n'y a rien d'intéressant pour un homme. Cicatrice. Peut-être lui mettre une petite cicatrice là pour faire genre voilà quoi. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais ça c'est des brûlures, ça, ça va pas du tout ça. Ça c'est le chat qui t'a griffé. Y'a pas autre chose que des griffures de chat? Là t'es tombé dans ta salle de bain, t'as préféré dire que tu t'étais coupé en trasant. Ça c'est une tache de naissance, ça aussi. Ça, voilà, hein. Intensité de la cicatrice. Oh, celle-là est pas mal. Celle-là est pas mal du tout, les amis. On va mettre une faible intensité de cicatrice. Qu'elle se voit tout juste, genre comme ça. Elle se voit à peine, mais il y a quand même, voilà. Hein, il a fait la guerre, il a eu mal, et il le sait. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça fait très Stargate, ça. Putain, c'est bizarre comme tatouage. C'est des tatouages du futur, les amis. Pas de tatouage. Il y a déjà la cicatrice, on va pas abuser non plus. Regardez-moi la classe de ce monsieur, s'il vous plaît. Hein? On pourrait presque dire Shepard. Alors moi, que suis-je? Eh ben, je suis... Qu'est-ce que c'est? Sécurité. Au sein de l'Alliance, vous avez tâché d'apprendre tout ce que vous pouvez... Tir percussif. Alors déjà, le tir percussif, il provoque chez moi des petits sursauts, surtout au niveau des tétons. Allez, on va prendre sécurité parce que c'est le seul à avoir le tir percussif. Et moi, le tir percussif, c'est la vie. Choisir le nom. Alors, comme dans les anciens, vu qu'ils vont l'appeler Rider, on va s'appeler Valmor Rider. Valmor Rider, c'est pas mal. Valmor Rider. Ça me plaît bien, Valmor Rider. Ça fait très futur, les amis. Alors moi, je veux bien personnaliser la sœur. La rendre classe. On perd du temps, les amis, on perd du temps, mais en même temps, maintenant, il est sorti, ça y est, on n'a plus rien à attendre. On dirait le visage de base, ça. Alors, sa sœur... De préférence, il faut qu'elle lui ressemble un peu, quand même. Quoique, on pourrait prendre une typée asiatique. Une chinoise. On va voir. Allez, moi j'opte pour l'asiatique. Moi, je dis oui.
Oui, vas-y, vas-y, fais. On va aller sur une petite pigmentation de la peau, comme ça, pas plus, pas plus. Hauteur du front. Alors par contre, pour le front, il faut que je mette une coiffure rasée. Il n'y a pas rasé. Me spoilez pas les coiffures. Voilà, ça c'est parfait. Pour la personnaliser, c'est parfait. Qu'on ne soit pas gêné. Hauteur du front. Un petit front. Un petit front. J'aime pas les fronts dégagés chez les femmes. J'aime pas trop ça. Accentuation des sourcils. Joue. J'aurais pu choisir de faire ressembler la sœur de... de Valmor Rider à ma vraie sœur dans la vraie vie, mais... n'abusons pas tout de même. Des petites pommettes de jeunes filles. Ah. C'est difficile à prendre en main leur système, hein, un peu. On va les laisser à 10. Menton. La musique est très reposante, hein. Mais c'est peut-être pas le but. Moi, je pensais qu'il y aurait une musique à la Mass Effect 3 quand on crée son personnage qui donne envie un peu de faire la guerre. Après, la musique reste cool. Y a pas de... Ne boudons pas notre plaisir, les amis. Largeur de la mâchoire. Commence à ressembler à Phaylo de The Division là. Faut que je fasse attention, parce que je peux pas la supporter Phaylo donc. Là ça fait chelou un peu. Hop. Profondeur des yeux. Ça. Bouche, épaisseur des lèvres. Elle a des lèvres beaucoup trop épaisses, elle. Hein. Ça va pas du tout. Hauteur. Non, la hauteur était bonne, je pense. Peut-être un poil relevé. Ouais, comme ça, ça me paraît bien. Accentuation de la bouche. Accentuation, en fait, ça veut rien dire. Hein. Je sais pas d'où ils sortent cette traduction, là, mais... Une bouche pulpeuse qui ressort un petit peu, c'est pas mal ça. Et largeur. Si je diminue la largeur, faut diminuer aussi l'épaisseur. Sinon ça va pas ensemble. Voilà. Et ben c'est très sympathique comme ça. Elle fait très sœur de Valmor Rider. Le tarin. Tu peux lui faire un pif si tu veux. Augmenter un poil la largeur. Ben, ça me paraît pas mal ça.
J'aime bien. Alors, la coiffure. Je me suis à moitié spoilé toutes les coiffures qu'il y a déjà. Tiens, c'est... pour une fois, ils ont enfin opté pour des cheveux longs, les amis. C'est pas trop tôt. Les femmes avaient pas le droit à des cheveux longs dans les anciens Mass Effect. Ça, c'était une hérésie, je trouve. Moi, cette coupe de cheveux que de cheval, là, me plaît beaucoup. On va voir ce qu'on fait, on va voir ce qu'on fait. Ça, c'est la coupe de base. Moi, j'ai bien aimé la queue de cheval. Donc, je prends. Ça lui va bien, en plus. Je sais pas trop lui mettre quoi lui mettre en couleur. Elle fait un peu asiatique, alors on va peut-être pas la mettre... Allez, on va tomber dans le cliché. On va lui mettre des cheveux bleus. Les couleurs font un peu dégueulasse par contre. Hein. On a l'impression que c'est colorié au feutre, leurs cheveux. Là. Je veux bien la mettre blonde, moi, mais les blonds sont trop blonds. Il n'y a pas blonde foncé, un peu? Oh, les cheveux à la Geralt de Rive. Ça rend classe, remarque. Bah, prenons ce blond-là. C'est le seul qui lui va bien. Alors, les yeux. On va faire une bonne arienne, comme on dit dans le jargon. Une blonde aux yeux bleus. Ah, j'ai peut-être une autre idée, les amis. J'ai peut-être une autre idée pour la couleur. Des cheveux noirs. Les cheveux noirs, ça lui va bien ou pas? Ça lui va bien. On lui met des cheveux noirs et des yeux mauves. Ça rappelle quelqu'un. Je sais pas pour vous, mais moi, ça me rappelle quelqu'un. Oh, ça lui fait un de ses regards. Les yeux mauves, les amis. Comme une certaine Yennefer de Wengerberg. Un peu près, un petit peu plus clair. Je vais y arriver, je vais y arriver. Là, c'est tout à fait ça. C'est magnifique. De l'eyeliner. Transparence. On va le mettre plus ou moins transparent. Par contre, on peut pas changer la couleur. Ah si, quand même. Bah, je pense qu'on va tomber dans le classique. Ouais, ça me paraît bien ça. Fard à paupières. Oh là là, c'est chelou ça. Hein. C'est le futur. Voilà, on va se la jouer fashion victime. Hop. Bah, du coup, j'ai usé ma part de rose. Il va falloir que j'utilise une autre couleur pour taper à l'œil. Parce que j'ai déjà utilisé les teintes roses. Ça me paraît pas mal en bleu ciel comme ça, ça fait joli. Hop, on va juste augmenter. Non, ça augmente, d'accord. Donc on va plutôt la diminuer. Comme ça me paraît bien. Hop. Rouge à lèvres, alors il y a déjà du rose. J'ai usé mon capital rose, va falloir me trouver autre chose. Celui de base, parce qu'après il y a des trucs avec... Ouais, celui de base est bien. Transparence. Oui, il me paraît bien tel qu'il est. Brillant. Ah, ouais, d'accord.
façon gloss quoi. Ça me plaît bien comme ça. Un petit peu moins quand même. Voilà. Et la couleur, on va lui mettre un rouge. Un rouge. Non, un rouge, un rouge. Voilà, rouge comme ça. Et du coup, on va diminuer la transparence. Moi, je sais pas ce que vous en pensez, les amis, mais j'aime beaucoup cette donzelle. Il nous manque le fard à joues, parce que quitte à maquiller, autant le faire jusqu'au bout. Hop. J'ai usé mon capital couleur sympathique pour les joues, hein. On va être obligé de lui mettre du rose. Hein. Du coup, c'est des couleurs qu'on voit pratiquement pas après quand on va vers le foncé. Bah moi ça me plaît bien comme ça. Voilà. Histoire qu'elle soit pas trop maquillée non plus. Faut pas déconner. Et ben voilà, elle est très bien ma sœur. Moi j'aime beaucoup. Alors mon histoire maintenant. Ah c'est curieux ça, que je m'attendais pas à ce qu'il me pose la question. Ah, je sais pas pourquoi il pose cette question-là. Je suis sûr que ça a une... Héros de la citadelle. Moi, j'ai envie de dire que c'était... Oh, allez, allez, moi, j'ai envie de dire que c'était une femme, les amis. Hein? Comme ça, ça aura peut-être une importance au niveau de l'histoire. Envoyez les données de personnage. Pour mettre en ligne votre personnage sur le site et gnagnagna, vous pourrez ensuite le réimporter et le partager avec vos amis. J'ai envie de dire qu'on s'en bat les couilles. Valmore Rider, difficulté normale, je ne connais pas le jeu encore. On verra comment ça se passe. Ça y est les amis, après 40 minutes de création de personnage, il est temps de s'y mettre tout de même. Ça va être une longue session les amis. Vous en faites pas, j'ai tout prévu. Attention cinématique, j'attends ça depuis six, j'attends ce moment depuis 6 ans, les amis. Alors on y va. À l'origine de chaque grand moment de notre histoire, il y a un rêve. D'accord, au départ de chaque bond en avant, des héros prêts à tout pour réussir. Nous laissons tous, derrière nous, des familles, des foyers, le berceau de notre espèce. Certains, pour découvrir l'inconnu. D'autres, pour prendre un nouveau départ. Mais aujourd'hui, quelles que soient nos raisons, nous nous élançons ensemble vers un avenir nouveau pour l'humanité. Aujourd'hui, nous commençons à faire de notre rêve une réalité. L'Hyperion. Enfin, je crois. Hein. De ce que j'ai vu, c'est comme ça qu'il s'appelle. En l'an 2185, l'humanité connaît l'âge d'or du voyage interstellaire. La découverte de ruines extraterrestres sur Mars a propulsé nos connaissances scientifiques et technologiques de plusieurs milliers d'années en avant. Alors que beaucoup sont fascinés par la perspective d'explorer la Voie lactée et de découvrir ses secrets, d'autres aspirent à des destinations plus lointaines. Pour la centaine de milliers d'aventuriers de ce voyage sans retour, l'avenir commence dans... Andromeda. Qualitatif, hein.
634 ans plus tard. Date, jour 0, heure 0. Arche Hyperion, 20 000 colons humains. Oh là 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 là, ils ont pensé à tout, ils ont pensé à tout. Galaxie d'Andromède, Habitat 7, secteur Héléus. Et on est passé sur le moteur du jeu, les amis, qui est pas dégueulasse, mais on sent qu'on est passé sur le moteur du jeu quand même. Hyperion Cryogenix. Eh ben, il a la classe, mon garçon. Respirez. Il va falloir y aller doucement. Ça fait 600 ans que j'y vais doucement, alors bon. Ryder, explorateur, équipe de mission du pionnier. L'équipe du pionnier? Ceux qui nous cherchent un foyer. Sous les tropiques, vous croyez que c'est possible? Une mer chaude, l'été toute l'année. On pourrait commencer par lui offrir un café, non? Un petit café, moi ça me va. Lors de sa sélection, l'initiative Andromède a évalué des milliers de planètes potentiellement habitables dans la galaxie. Ryder, voyons si tout va bien. Regardez. Après la découverte d'un nombre étonnamment élevé de candidats, appelés Monde en Or... Est-ce que c'est la doublure française de Nathalie Dormer? Question. Vous faites maintenant partie de la première vague d'Arche à atteindre Andromède. La nouvelle galaxie de l'humanité. Ah oui, si seulement c'était si simple. Non, c'est pas la voix française de... Marjorie Tyrell. Mais c'est pas grave. Je m'y attendais peut-être. Alors, ah oui, si seulement c'était simple. Choix de ton. Alors comment on fait pour choisir le ton? Comment on fait pour choisir le ton? Ah d'accord, ça met des petits symboles. Professionnel ou décontracté, d'accord. Allez, on va la jouer des contracts. C'est bien de les remettre sur le côté parce que je vais peut-être pas retenir. Hein. Logique. Ça va être marrant comme réponse, ça. J'espère que non. J'aimerais vivre une vraie aventure avant de m'installer. Tant mieux. Parce que justement, je pense que c'est ce qui vous attend. Ah. Oh, les Asari sont tellement bien faites. Il a dit, paré pour la mission dans une heure. Vous savez pourquoi? Non. Mais j'imagine que c'est là que votre aventure commence. Frostbite fait le café. Hein. Bon, tout a l'air en ordre. Une dernière chose avant que je vous laisse partir. On va tester votre implant. Sam, tu assures le suivi? Sam, tu es en ligne? Oui, docteur Tepero. Bonjour, Ryder. J'espère que vous allez bien. Ah, là, il n'y a pas de symbole. J'ai l'impression d'être un cornet de glace vieux de 600 ans. J'espère qu'on a plein de café. Résultat confirmé. Compte tenu des niveaux d'adénosine dans votre sang, l'implant neuronal fonctionne correctement. Adéno quoi? Ça veut dire que vous émergez de votre sieste. Aucune raison de vous retenir plus longtemps. Mais vous voudrez peut-être rester pendant qu'on réveille votre sœur? C'est toujours plus facile quand on voit un visage. Ça ne me dit rien qui vaille. Qu'est-ce qui se passe? Oh là là! Il se passe des choses. Oh merde. Qu'est-ce qu'on a foutu? Oula. Ah. Il semble y avoir un souci. Accrochez-vous. Alors qu'est-ce qu'on fait? Ouais, je regarde. Oh, le mec en face, il a l'air de bien s'amuser.
zone de cryo. Je rétablis la gravité. Vas-y, Miley Cyrus. Oui, je crois. Qu'est-ce que c'était ? On ne sait pas. Les capteurs sont brouillés. Mais ça fait plaisir de vous revoir. J'ai l'impression que ça fait des siècles. Ici le pionnier. Équipe de mission, continue à vous préparer. Cora, des riders, rendez-vous sur la passerelle. Vous l'avez entendu. Allons. On a un problème par ici.